Ouais, salut les oiseaux, c'est Parano, on se retrouve aujourd'hui pour la quatrième vidéo, si je me trompe pas, sur GTA Online. Alors je voulais faire un petit braquage pour commencer cette vidéo, mais je pense qu'on le fera dans la cinquième vidéo. Alors encore une fois, bonjour toi. Shut up. Et toi, qu'est-ce que tu as... Oh putain, ça y est, ça se frite. Oh putain. Il est énervé le mec en costume. Qu'est-ce que tu as? Et lui, coup de coude, frère, qu'est-ce que tu as? Bref, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve une fois de plus seul sur ce GTA Online. Alors on va vite enlever ça, la musique. Je me retrouve une fois de plus, vous m'en excuserez, tout seul sur ce GTA Online. Pour la simple et bonne raison, pour toutes les personnes qui me connaissent, et si vous suivez ma chaîne, et vous réfléchissez un petit peu sur le nom de mon pseudo, je sais pas si, si vous réfléchissez sur le pseudo de ma chaîne, la Nocturnal Birds, ce qui signifie l'oiseau nocturne, je suis quelqu'un qui joue la nuit, le trois quarts du temps, je joue vers 2-3 heures du matin quand je rentre du taf, si c'est pas plus tard, hier j'ai lancé un live à 4 heures du matin pour vous dire, je l'ai terminé à 8 heures du mat, donc c'est très très dur encore une fois de trouver des potes qui jouent à ces heures-ci. Et là pour le coup c'est vrai que j'arrive pas trop à me brancher avec des collègues et tout ça pour jouer un petit peu sur le jeu. Surtout que j'aimerais faire des gros délires dessus. Et là pour le moment c'est un petit peu chaud. Bon là je pars un petit peu dans tous les sens parce que j'attends de faire partir cette putain d'étoile. Alors on va retourner juste là, on va se mettre là. Je sais pas s'il va me voir là, de là-bas. Il peut me voir en fait je crois. Et là je pense pas qu'il puisse me voir. On va se mettre là tranquillement. Voilà. Donc je comptais faire un petit live pour augmenter un petit peu le perso. Mais tout bug encore une fois pour pas changer. Donc je vais lancer une mission en espérant que ça frise pas. Et attendez. J'ai retrouvé mon perso quoi. Par les plus grands des miracles, mon perso n'a pas été delete. Alors franchement je suis content. J'ai toujours pas trouvé comment enlever ce truc de connexion à du Xbox Live, c'est pas grave, en même temps j'ai pas trop cherché, je vais pas vous mentir. Confirmer paramètres, je vais la jouer tout seul. Voilà, et on y va. Donc je suis vraiment content, mon perso a pas été delete. Normalement c'est quelque chose qui doit être normal, mais pour Rockstar, on dirait que non. Donc là je suis vraiment heureux pour le coup. Alors récupérer la coquette. Et gars, on va récupérer la coquette. Oups. Alors, où est la coquette? La coquette. Tu es ici. Donc on y va de ce pas. J'ai oublié de lancer le chrono. Donc je vais le faire direct. Alors, deux petites secondes. Horloge. iPhone. Bim bam boum, chaton McDoom, excusez-moi. Alors on y va, excuse-moi mec, je t'ai bloqué la circulation. Petit moment de blanc. Je réponds à des messages, tout ça, je suis trop overbooké comme mec, c'est un truc de malade. Alors attention, je suis un type super connu. En fait, j'ai envoyé SMS à ma maman. Hop. Ok, on y va, on va essayer de pas se prendre un arbre. Hey man, what's up? Donc j'ai deux vies pour le coup, j'espère que ça va pas être un truc hardcore. Ok. Quoi qu'il en soit, encore une fois, il y aura pas mal de vidéos sur ce GTA Online. Donc vous affolez pas, même si les premières vidéos, je suis tout seul. Comme ça, ça vous montre un petit peu ce qui vous attend sur le online. Mais je pourrais très bien les refaire aussi avec des collègues. Alors, en fait, la voiture elle bouge. Ok. Donc j'ai récupéré une voiture en mouvement. Alors. Elle est où?
Elle est même en train de se tailler très très loin. Ah, d'accord. Par où vais-je passer? Ah! Olé! Donc, à l'heure où je vous parle, j'ai déjà sorti la première vidéo et ça a l'air de plutôt vous plaire. Donc ça fait vraiment plaisir. Il faut jamais... Il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos à l'heure d'aujourd'hui et qui se reposent sur leur acquis, qui pensent que parce qu'ils ont fait ça ou ça, faut pas se donner à fond. Et moi j'essaie tout le temps de me donner à fond sur toutes les vidéos, vous le voyez à chaque vidéo. J'essaie d'être le... pas pro, parce que ce serait un grand mot de dire pro, je suis pas un professionnel, mais de rester le même on va dire et de faire les choses, essayer de le faire bien, surtout à ma manière. Oh putain, c'était là. On y va, mourir. Ouais, quel beau gosse. Je vous en boucle avec quand je dis ça, franchement je suis pas narcissique du tout ou quoi que ce soit. Mais attends, j'ai l'impression que... Ok. Allez, vas-y. La coquette, quoi. Mais qu'est-ce que c'est, la coquette? C'est une fusée ou quoi, le bordel? C'est ça? C'est laquelle? C'est celle-là? Non, c'est celle-là. Il m'écrase, mais qu'est-ce qu'il fait? D'accord, c'est lui. Oh putain, dire qu'il était arrêté, j'aurais pu le tuer normal. J'allais dire, ça fait deux fois qu'il me l'a fait récupérer, ça là. Ah ouais, tu m'as roulé dessus, espèce de bâtard. On va aller doucement. Je le savais qu'il y avait un virage. Tu vas mourir. Tu vas mourir. T'es quoi, t'es un décapot en plus? Non, même pas. Eh oh, coucou, c'est moi. Tu vas, où il va? Putain de merde. Je vais te fumer, mec. Course-poursuite, mon gars. Ah, elle est plutôt dure, celle-là, de mission, en fait. Hein. Allez, m'oblige pas de tout défoncer, putain. Espèce de connard. Oh, le mec, il est déterminé, wesh, il lâche pas l'affaire. Damn. Putain, c'est quoi ce bordel? On prend un raccourci, c'est pas grave. On est comme ça, nous. Oh putain, je suis de la merde. Wesh, le type, je le retourne et tout, même pas il s'arrête. Il a peur de rien, lui. En fait, j'essaye de pas trop prendre. Et je vais l'exploser, la voiture, wesh. À force de foncer dedans, je vais l'exploser. Oh! Excuse-moi, baby. Le truc, c'est qu'il faut que je ramène la voiture, donc il faut juste que je tue le conducteur. Et pour ça, il faut que j'essaye de coincer. Putain, mais wesh! C'est la première fois que je vois un mec qui est tout. Mais arrête-toi, bordel de merde, là. Ouais, je vais te défoncer. Bazooka, C4. Tu vas où, là? C'est bon? T'as compris là? Putain, mais casse-toi toi! En plus, je suis une merde de joystick, je comprends rien là! Hella, hella, hella! Oh putain, les flics! Il va où? Allez, vas-y, je te défonce! Je vais la fail cette mission! Je pense qu'à défoncer la voiture! Putain! J'en ai marre, bordel! Ça, c'est des trucs que tu fais en 4 secondes, j'aurais pu le faire au feu rouge, mais non! J'ai voulu faire le mec, j'ai vu une demoiselle, je fais salut toi! Oh putain, les condés! Eh ben! Fils de chien! Oh my god, oh my god! Et lui, non, casse-toi de là! Oh putain, putain! Putain! Fuck! Fuck, fuck, fuck!
Excusez-moi, je réponds vite fait au SMS. C'était pas ma mère, hein, je rigolais. Hein. Ma mère m'envoie pas des messages à 2h du matin. Hein. Ma mère, elle fait dodo à cette heure-ci, là. Comme toutes les daronnes et comme tous les gens normaux, on va dire. Alors. Heureusement qu'on a deux vies, bordel. De Condé quoi. Donc la vidéo commence plutôt bien. On va récupérer la voiture. Elle est morte et lui il est au volant. Casse-toi! Attendez, tu sais quoi? Putain, je peux pas le défoncer. Ouais, c'est ça. Toi t'es toi ou sinon je. Faut quoi? Ah, c'est bon, on va être tous saoulés là. Laisse-moi en paix. Je déconne plus là, ça y est. Je rigole plus, je rigole plus. La voiture elle est morte, je vais la ramener, le mec il va s'affoler, il va dire ouais je t'as fait quoi là? Oh putain, il y a encore les flics. Dans la vallée, oh. Pour tous ceux qui connaissent à l'ancienne Mano. Je sais pas où il faut aller là. Je vais retourner voir. Oh putain! Oh putain! Mais je suis où là? Mon gars sûr! Je vais où là? Waouh! Ça va piquer quand je vais taper dedans! Un petit saut! Ok! Donc ça 5 km. Oh la voiture elle est jid! Y a rien à dire. Donc c'est pas une Corvette, c'est une coquette, hein. Pour info. Mais non, il n'y ressemble plus. Actuellement, peut-être il ressemblait avant, mais là il ressemble à rien du tout. Bon, vu que j'ai volé la voiture, que j'ai tué des mecs et tout ça, j'ai pensé aussi peut-être couper par la montagne, mais non, non. Eh, mais c'est une fusée cette voiture en vrai. Comme j'ai galéré mon foie. Oh! J'ai galéré, jamais j'ai galéré comme ça pour attraper un mec. En fait, je vais pas vous mentir, normalement je tire dans le pneu normal et là même là, j'ai été une dinde là, j'ai joué comme une dinde. Pff, laisse tomber. Wow! Souhait. Eh, par contre, elle a l'air bien la route, hein. J'espère que je vais pas me prendre un truc. Ok. Juste pour vous dire, j'ai une collègue. D'ailleurs, je vais faire sa petite pub. Tiens, comme ça va lui faire plaisir. J'ai Kilira. Pour tous ceux qui regardent mes lives, je suis souvent accompagné de Hex et Kilira. Donc, une fille très adorable. Qui a 19 ans, qui reste beaucoup avec nous en ce moment, c'est vrai. Elle s'est lancée sur le gaming. Et du coup, elle a reçu son matériel et tout ça, le gâteau, tout le bordel. Et du coup, elle a ouvert sa chaîne. Donc, je vous inviterai à aller voir ce qu'elle fait. C'est plutôt pas mal. Et justement, elle a fait une vidéo sur GTA V en laissant les musiques et elle s'est tapé des droits d'auteur. Donc, ce que je vous disais dès le début, la pauvre. Thank you, my boy, thank you. I am honored to call you my son by another mother, if you know what I mean. Ah, peace and love. You have done me proud. Ok. 1000. T'es sérieux, c'est tout ce que tu donnes? Donc c'était juste pour faire la petite pub et le petit truc pour dire que encore une fois si vous mettez les sons sur le jeu vous pouvez vous faire défoncer. Donc ce que je ne conseille surtout pas à faire. Après s'il y en a qui ont envie de s'amuser à le faire, faites-le. Moi je ne prends pas ce risque.
Bon, alors on va voir si ça bug. Si vous jouez Fair Play, ouais, on le voit tout le temps ça. Ma voiture se trouve là-bas. Je vais peut-être mettre un petit peu l'argent en banque. Ça serait bien. Argent, gloire et beauté. Putain, je chante plein de chansons de merde. Je sais pas ce que j'ai dans la tête. Bon, 2004, 2008. De toute façon, je me dis que peut-être ce perso sera délaite comme tous les autres. Donc, je m'amuse. Je fais le délire. Ça va. Ok. Bon, qui on va buter aujourd'hui? Quoi? Tu m'as parlé? Attends, est-ce que tu m'as parlé? Attends, 2 secondes, mon gars. Je mets juste mes lunettes pour te montrer que moi je suis un mec qui rigole pas. Tu m'as parlé? Oh. Fuck. Fuck. Et ouais, je tape. Ah, c'était un pouce. Ah non, c'était un bonnet que t'avais sur la tête. Oh, excuse-moi, papy. Pardon. C'est quoi tous ces condés, je comprends pas. Oh! Pourquoi t'as la même voiture que moi, toi? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je t'autorise pas à faire ça, mon gars. Oh putain! Ah, lui, il se fait poursuivre par carrément un hélico, mon gars. Ouais, j'ai tracé. Hop, 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 hop. D'accord, il y avait le parking, je suis passé par la gauche. Oh fuck, je crois que je vais me faire. Oh allez! Oh putain! Non, il ne m'a pas vu! Ah, on va attendre qu'il passe ici alors, hein! En attendant, on fait graisser les pneus, ok? Attends, c'est du copyright là, mon gars, c'est du plagiat, tout ce que tu veux, frère. Elle a pas le droit d'avoir la même voiture que moi. Je l'interdis. D'ailleurs, je vais faire tout le tour là, je vais scruter toutes les voitures. S'il y en a un qui a la même voiture que moi, je le défonce. Ok? Qu'est-ce que tu fais, toi? C'est le mec qui scrute toutes les voitures, wesh. C'est bon. Bande de bras cassés, là. Bon, qu'est-ce que je vais faire d'autre là en attendant? Parce que là, il n'y a pas trop de missions qui pop. On fait une course? On fait une course ou on fait une course? C'est quoi? C'est des courses de moto? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? D'accord, en plus, j'arrive pas à le trouver, c'est d'être sur le toit peut-être. Casseur de Jill. Ok. J'aime bien casser les Jill, moi. Comme je vous ai dit, franchement. Oh, cette mission. Cette chanson, cette mission. Les missions peuvent passer vite. Évidemment, j'aurais pu passer de l'autre côté, mais non. Alors, acheter des balles, équiper. D'accord, je suis full partout. On va commencer avec le pistolet mitrailleur. Difficulté normale, confirmer les paramètres. Et on va attendre un petit peu qu'il y ait des gens. Pourquoi pas inviter mes amis. Ami qui joue à GTA. Ok. Je sais pas si. Dans liste d'amis. Pourquoi pas. Waouh. Déjà level 21. Oh le bâtard. T'es un escroc, lui c'est malfrat. Ok, la figure, mon gars. Aristochat, je crois que c'est Karim, non? Ouais, c'est bien mon mafieux, Karim. Et il y a Drogba. Putain, qu'est-ce qu'ils ont tous? Bon, merde. Allez, hop. Joueur de mon niveau. Tout le joueur de mon niveau.
Je t'invite. Allez. Ouais. S'il vous plaît. Ça m'aurait bien, s'il vous plaît. J'ai joué tout seul, putain. Voilà, voilà, voilà. Je sais pas ce que j'ai ce soir, je suis chaud. Je sais pas ce que j'ai. Ok. Ok, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ok. On va se mettre en mode, hein. Vu qu'on va casser NG, il faut pas qu'il voie mon visage. Sinon, on va vouloir tuer toute ma famille après. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Le mec, il joue sa vie, tu sais. Oups là. C'est pas passé. Oh oh. Ça veut dire qu'il va y avoir un train qui va passer. Bon, on fait comme dans les films. Wouhou. Bon, sauf que dans les films, ils font mieux et... ils se prennent pas un mur juste après. Bon, il va m'amener où là? On dirait que je vais essayer chez l'ancienne maison de CG. Ça y ressemble en tout cas. Qu'est-ce qui se passe par ici? Hell! Hello? Bonsoir. Bonsoir. Alors je vous explique. Moi, je suis le diable. Hein? Ok. Et je peux me cacher là comme ça? Ouais, je pense. Je vous baise, motherfucker! Eh, il va falloir que je me calme parce que je fais de la merde là. Ok, j'ai pas des grenades, quelque chose? Je vous fume, bande d'enfoiré! T'as encore envie, toi? Ah, je te vois. Automatiquement, il y a des moments où t'as plus de mun. Et montre-toi, baby. T'es pas encore mort? Et je pense que celle-là va te finir. Ça va? Eh hey, mec, ça va pas? Enfoiré, hein. Donne-moi la cam, bâtard. Donne-moi l'oseille aussi. Hein? Qui me parle? Putain, je l'ai défoncé la voiture, quoi. Moi, j'imagine que tout va pas bien se passer sur le retour, comme d'habitude. Donc, je pense opter par le... Ok, on va se cacher derrière direct. J'ai pas envie de me faire tuer. Où il va, lui? Il est con, quoi. Ah, du coup, sans chauffeur, ça le fait moins, hein. Oh. Ouais, c'est ça, ouais. Tu crois quoi? Je vous... excusez-moi un petit peu d'être vulgaire et tout. Tu veux leur dire quoi en fait? Déjà j'ai... Je vous ai fait mal. Je vous ai tué. I kill you. Allez, on y va. Je vais arrêter de crier parce que j'ai ma femme qui va vraiment me tuer. Donc j'espère que c'était le seul obstacle qu'on va rencontrer sur la route. Parce que je me sens pas de sortir toutes les 5 minutes de la voiture. Et je vais pas vous mentir, en voiture c'est un peu compliqué. Oula. C'est un peu compliqué de gérer à la fois la conduite et... Oh, très beau. Très beau. Très belle fresque en passant sur le mur à droite.
Je l'avais jamais vu celle-là. Donc ce n'est pas un tag, mais un graffiti. Ok. Parce que les tags, c'est pas ça du tout. Encore une fois, il y a des personnes qui peuvent faire de très très beaux graphes. À Marseille, j'en vois d'énormément de graphes. Ils sont vraiment super bien faits. Comme je vois aussi beaucoup de merde, beaucoup de tags à la con. Avec des petits pseudos. Ok. Ok, donc une personne m'a dit. Après, je me rappelle plus trop dans San Andreas. C'est vrai que il ressemble peut-être à une des personnes de San Andreas. Gerald. Alors, on va savoir si. Ok, rang 9. C'est bon ça. Ok, allez, on repart en mode libre. On s'est fait notre petite mission, hein. Ça fait 2-3 petites missions, 2 missions qu'on fait là tranquille. Je vais regarder un petit peu le timer. Parce que depuis tout à l'heure on parle, on rigole, on s'amuse, on joue. Mais on ne regarde pas le timer. Il est combien? 23 minutes. C'est bon ça. Ok. What's up, nigga? Quand un écho survole. Quoi, il m'invite en fait? J'ai pas bien compris, mon gars. T'auras bientôt un nouveau boulot, mec. Si. Par contre. Quoi? Arme débloquée, pistolet de combat. Ok, j'ai. 1 000 $, ouais, on s'en bat là. C'est toujours, c'est juste à ce moment-là que. Ok. Pièce de tuning, donc j'ai débloqué 2-3 petits trucs quand même. Vous voyez que quand on passe le niveau. Il y a pas mal de choses qui se débloquent. Quatre nouveaux vêtements. Ouais, bon, on va aller voir ce que c'est. Putain, attends, c'est un truc de malade. Non, j'ai envie de je me saigne mission extermination en fait là. Vu que ça a pas trop l'air de bugger. Du maquillage, ok. 74%, pardon. On va voir ce que ça donne. Ah putain, j'aurais dû enlever le masque par contre. Hop. Ok. Donc, nombre d'équipe 2. J'ai déjà une personne. Le pauvre, il doit attendre depuis un moment. Bon, level 17. Ouh, putain. On va rigoler. Allez, vas-y, les gars, mais invite quelqu'un ou quoi, je sais pas, mon gars. Bon, ça a l'air d'être un petit peu cuit là. Bon ben ok. Ah, il est métier du monde. Bon, vas-y, le temps que ça arrive, mon gars.
Laisse tomber. C'est pas que je t'aime pas, gros, mais voilà quoi. Et pourquoi il me parle de ces missions en fait? Je peux les faire ou. Non, je peux pas les faire. Ah si, si, mais en fait. Voilà, c'est enlevé. Bon, bref. Ok. Putain, j'adore cette chanson. À chaque fois que je fais une vidéo, je vais lui dire hein, j'adore cette chanson. Ah. Ok, on va racheter. Normal. Difficile. Ouais, non, on va le faire en normal parce que voilà, je suis pas encore. Ok. Récupère les voitures. Alors, il y en a plusieurs. On va être dans la merde parce qu'il va falloir que je fasse 500 trajets. J'en suis où de ma conduite là? Conduite 2 barres et demi. Monnaie de sa pièce quoi. Ok là, alors là il pleut. Je sens que ça va être juste injouable. Oh putain, me dites pas qu'il roule là. Oh putain, me dites pas qu'il roule les mecs. Si si, les mecs ils roulent. Attention, je suis con, j'ai mis le pointeur. Oh putain. Je sens que ça va être infaisable. Merde, il est parti où? Excusez-moi, monsieur. Il est parti au secours, là. C'est quoi cet endroit, là? Il est parti sur le truc des trains ou quoi? Attends, attends, il y en a une derrière moi. Ouais, c'est injouable quand il y a la pluie, c'est abusé. Wow! Attends, 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 s'il te plaît, faut que je te parle. Oh, mais s'il te plaît, il y a maman qui a appelé hier soir. Faut que je te parle, vite. Rien ne va plus entre nous. Tu as pris une trop grosse place dans mon cœur. Oh, putain. Eh, les gars, j'ai trop peur de conduire comme ça, là. Et en plus, le mec, il fait le fou furieux. Voilà. Qu'est-ce que je t'ai dit? Putain, je le fais tourner, c'est moi qui... Oh putain, impossible à gérer quoi. Ah, j'aurais fait deux missions dans le jeu. Deux missions galères quoi. Ah là, c'était bien, il pleuvait plus. Ah, il s'est planté, qu'est-ce qu'il a fait? Tu vas tourner, tu vas faire quoi? Oui, je te tire dessus. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Wow! Oh, il avait le feu au cul, lui. Je sais pas si vous allez bien le capter dans la vidéo. Allez, et deux. Tu peux me laisser sortir, s'il te plaît? Non, ça sert à rien d'appuyer sur le klaxon, mon gars. Oh, putain. On coupe. Ok, ça servait à rien. Ah, bizarrement, elle accroche plus la route, elle. Ok. Ok, les flics, on les esquive. Droite, gauche, droite. Ah, le soleil, enfin. Oula. Ouais, ok, ok, je vais m'arrêter sur le côté. Ok, y'a pas de problème, je vais m'arrêter. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Vous savez pas dans quelle situation je vis. Je suis un vrai clochard, j'ai besoin de ça pour vivre, s'il vous plaît. Ne me tuez pas, monsieur l'agent. Oh, lui, je sens qu'il va faire le fifou. On va faire un truc genre droite, gauche, tac, tac, tac. Merde, il me suit encore. Oh putain, le poteau. Bon, il a l'air d'être déterminé, lui. Je sens que je vais... Y'a pas un truc comme dans la voiture de James Bond, là, où tu craches des trucs sous les pneus, là? Allez, on le tente. Ok, depuis tout à l'heure il me suivait pas.
Ok. Je vais pas me mettre là parce que là ça va être l'autoroute et ça va être chaud. Et pourquoi pas ici? Non, il y a rien pour se cacher en fait ici. Bon, peut-être on va se mettre dans le coin là comme ça. Le temps qu'il arrive, peut-être il sera pas. Oh là là, je vais me faire gangbang. Ah non, ça va. Alors attends, on y va. On va poser déjà la première voiture. Heureusement j'avais un petit peu avancé. Maintenant la deuxième, pour la trouver mon gars. Pour prendre une voiture efficace qui suive l'autre. On va passer par là, on va la poser. Voilà pourquoi ça sert. À quoi ça sert de jouer à plusieurs sur le multi. Ok, livrer une voiture. Alors deux petites secondes encore une fois. Ah, j'ai entendu peut-être une voiture assez puissante. Range ton arme. Alors Overskin vous a envoyé un message. Ok, à mon avis il va falloir qu'on joue ensemble. Il va falloir qu'on joue ensemble, pardon. Mais vas-y wesh. Bon, on va prendre cette voiture toute pétée, de toute façon on n'a pas le choix. Oh Jesus. Ouais, d'accord. En fait, on prend vite l'habitude avec le truc. Alors, il va où lui? Oh putain! Oh putain! J'ai l'impression qu'il est parti à l'ouest. Ah, cette voiture a l'air bien maniable. Hein. C'est juste un que je sais pas conduire. Attends. Je sais pas pourquoi je dis attendant. Toi, tu me plais. En même temps, on va mettre en espérant qu'elle essaye pas de me tacler. Tu vas vers où? On va mettre ça vers là. Holy baby, holy holy baby, James Bond power. Holy. Ouais, je sais, je sais pas ce que j'ai. Pourtant, je vous jure, je me drogue pas. Du moins, j'ai arrêté depuis quelques années. Oups. C'était le poteau qui voulait pas se détruire. Salut les filles. Oh pardon. Je crois que je t'ai écrasé la jambe à toi. Ah oui c'est vrai, c'est une voiture volée. Donc on m'a dit aussi en commentaire, et c'est vrai que en soi c'est pas con, toutes les voitures d'accord, je voulais passer par un raccourci mais je pouvais pas passer par là. Toutes les voitures un petit peu les grosses bagnoles et tout ça, ça servait à rien en fait de vouloir les custom parce qu'il fallait uniquement les acheter en ligne. Ça aurait été trop facile de vouloir les custom et de les prendre direct pour soi. J'avoue que là sur le coup j'aurais dû réfléchir un petit peu. Bon on y va, lui il a l'air chaud. Lui il a l'air chaud. C'est quelle voiture? C'est la jaune je présume. Je pense que c'est la jaune. Direct. Direct, j'ai pas cherché à comprendre. Wow. Oh mais t'es sérieux? Eh mais c'est pas le mec qui était au taquet là tout à l'heure? Mais non le poursuit. Mais non le poursuit. Y'a rien. Franchement je m'en bats la race. Ouais bitch ouais. Il est passé où? Non c'est pas lui. Wesh il m'a semé. Il a trop de la chance le chacal. Oh, j'ai pas compris le délire là. Des mecs comme ça ils sont déter, ils arrivent tous dedans. Oups, bon je vais me prendre les flics. C'est pas grave. On est des malades. Attention, le saut de la victoire. Non, même pas. Lol, le fail. Je croyais qu'il allait avoir un truc de fou. On vit au taquet.
Fuck les lois et ses normes. Pour toutes les personnes qui connaissent à l'ancienne psychodrarimia papé. Putain, franchement, je vais pas vous mentir, hein. Je kiffais à mort, hein. Et je connais même, j'ai même des connaissances, j'ai failli, en fait, j'ai fait le con dans ma vie, c'est vrai que j'ai fait le con sur plein de choses. Et encore aujourd'hui, Kassim, et qui est Alonso, pour ceux qui connaissent des psychiatres, je vais pas dire que je le connais personnellement, mais je traîne beaucoup avec des mecs des quartiers nord, et des mecs du plan d'âme, en fait, qui habitent dans le quartier au psychiatre, du moins, ceux qui restent encore là-bas. Et c'est vrai que Kassim était en préparation d'un album qui est sorti il y a pas très longtemps. Et il cherchait des prods. Et comme un con, j'ai attendu 2 ou 3 mois avant de lui passer des prods. Et je lui ai passé les prods, l'album il était pratiquement bouclé. Donc peut-être que j'aurais pu paraître sur son album. Et j'ai fait la dinde. Great! Well done! You are very resourceful. I like that. Really, I do. J'en suis à combien là? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors attendez, je vais lire le message de Overskin. Parce que peut-être qu'il se sent un petit peu de tâter du terrain. Alors, alerte évitée de la suppression du personnage, ok. Donc si on peut jouer à deux, même si c'est une personne que je connais pas, regardez, c'est un mec que j'ai ajouté sur dans mes contacts comme ça, hein, c'est un abonné je pense. Du moins, je sais pas. Attends, c'est un mec qui me connaît même pas en fait. Non, je rigole, attends, je pense que c'est un abonné qui m'avait ajouté. Aloha, me dis pas que t'as bugué. Si vous jouez fair play encore. Oh putain, y'a un mec là. Et ma caisse elle est là quoi. Fuck. Attendez, je mets juste mon argent. C'est jamais si ce bâtard me tue. J'ai pas envie de le tuer, hein. Je vais pas vous mentir. Je vois pas l'intérêt encore une fois. Voilà, comme ça la transaction est faite. Moi, j'ai déposé tout l'argent que je voulais poser. Et pourquoi pas une petite moto, tiens. C'est vraiment rare que je prenne des motos sur le jeu, je vais pas vous mentir. Non, par contre, ça tu laisses tomber tout de suite. Non. Tu laisses tomber. Alors, regarde cette tête que tu as, mon gars. Déjà que t'es pas beau. Regardez ça. Voilà. C'est cool, hein. Il est content. Il est content. Ah, je crois que c'est la première fois que je me fais tuer. Je vais avoir kiflom, quoi. Oh, le bâtard. Welcome, brother. Welcome. You see, they said I was a charlatan, a fraud, a nothing. But I am a miracle. Look and behold in wonder. And ask yourself, what does mighty Chris Formage, leader of the Epsilon program, do with his enormous power? Why, he uses it to watch people, of course. Join me anytime you like in watching. They never find out, and they can't harm you. It is the greatest pleasure on Earth. And trust me, I've lain with a multitude of women. Kiflam. Donc vous avez vu qu'il m'aura fallu pas beaucoup de temps avant que... Alors après en même temps c'est cherché mais... Les mecs c'est vraiment des chacals. Je vous dis voilà le mec j'ai rien fait en plus hein.
Ah oui, putain, il fallait que je regarde Overskin, pardon. Je vais vite cliquer. Qu'est-ce que je fais de la merde? Mais je veux pas aller sur internet, mon frère. Allez! Eh, j'arrive. J'arrive, poteau, j'arrive. Future. On a presque Wartek dans le groupe. C'est Wazerstek. Donc c'est quoi qu'il a mis? Casseur de quoi? J'ai pas bien capté. Donc n'hésitez pas à m'ajouter aussi si vous voulez qu'on fasse plus de vidéos ensemble. Attends-moi s'il m'attend pas. Oh lol, je me suis téléporté. Donc je pense qu'il doit être quand même... Il doit être pas mal content. Le jeune... Oh là là, bien joué. J'étais en train de vous dire... n'hésitez pas à m'ajouter sur l'Xbox Live si vous voulez qu'on se fasse des parties de GTA comme ça à plusieurs. Et encore une fois, je laisse dans la description. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne regardent vraiment pas la description, qui ne prennent pas le temps de la lire. C'est vraiment important, ça prend 4 secondes. Dedans, vous avez toutes les infos de mes réseaux sociaux, de Twitter, Facebook. Si vous voulez, ma chaîne Twitch aussi, parce que je fais énormément de live, je le répète tout le temps. Mais c'est super important, parce que franchement, je pense que je vais passer plus de temps à faire de live que des vidéos dans, très prochainement. Déjà, j'en fais pas mal du tout. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, n'hésitez pas à regarder parce que j'ai créé un crew armé jusqu'aux dents. Bon, pour l'instant, on a laissé les 4 lettres, on a mis Army, A-R-M-Y. Donc le crew armé jusqu'aux dents. J'ai créé ce crew comme ça, hein, pour le délire avec Chitou, Maroquino. Je pense que d'autres personnes vont rejoindre aussi le crew. Petit à petit, j'ai mon petit frère, Shaitan. J'ai plein de collègues et tout ça, et des potes à Chitou, tout ça, Chim et tout ça. Il va y avoir pas mal de gens, plus vous si vous voulez rejoindre le crew. Donc ça peut être rigolo. Il vous suffit de regarder dans la description encore une fois. Là, c'est juste un petit peu du fun. Je suis avec le poteau Overskin. Donc dédicace à toi parce qu'il sait pas que je tourne une vidéo. D'ailleurs, tu fais de la merde, mon gars. Ok, là il doit avoir le seum de dire non. Ah mais c'est la mission qu'on a fait juste avant. Attends, qu'est-ce qu'il fait, wesh? Oh putain, il va nous faire nos défauts. Eh, Overskin, fais pas de la merde. Eh, lui, il est comme ça, lui, il rigole même pas, wesh. Wesh, il a fait quoi là? Y'en a qui m'a descendu, il était où? Wesh, j'ai descendu tout le monde, mais j'ai pas, il m'a descendu. J'suis où là? Attends, pourquoi il a eu plus de points lui? Ok. Ah mais qu'est-ce qu'il fait? Putain! Espèce de débile là! Oh, qu'est-ce que tu fais, espèce de triso? Putain, fils de chien là! Y'a des mecs qui sont vraiment triso quoi! Et le mec il a pas compris qu'on devait faire la mission ensemble, espèce de débile. Voilà, rien pour ça, on va se taper toute la mer nous. Moi je me prends encore une balle, je meurs quoi. L'autre, je vais le défoncer l'autre. Sur ma vie, je vais le défoncer. Attends que je sors dans la voiture quand la mission est terminée, je vais le défoncer.
Putain, fils de chien, quoi. Ah, les gens, ils sont débiles, mais c'est impressionnant, quoi. Ouais, me gusta, me gusta. Y'a pas moins que je l'écrase, le bâtard, là. Et regarde-le. Débile. Regarde-le, regarde-le, il s'affole. Espèce de connard. Allez, vas-y, casse-toi avec ta voiture pétée, hein. Espèce de triso. Je sais que c'est lui qui a la coque, mais ça me met le seum, la vérité. Les gens, ils sont débiles. Là, ça va partir en sucette, là, je vous le dis. Dès que la mission est terminée, c'est règlement de compte avec Coral, là. Comment il s'appelle, lui? Wartek, je sais pas quoi, là. Il va s'affoler, le poteau, là. Ouais, elle est tarpée, j'aurai tourné, celle-là. Franchement, je l'avoue, elle est tarpée. Regarde, regarde comme il galère, l'autre. Allez, casse-toi avec ta voiture, hein, débile. Regarde-le, regarde-le. Ok, il va pas ramener la coque, hein. Qu'est mongol. Ah mais c'est, j'en ai marre de ces trolls. Voilà pourquoi je fais pas l'émission à plusieurs, vous savez quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas compris qu'on pouvait pas mourir. Putain. Dindin. What you got? Là, lui et moi, on sait qu'on va se défoncer. Et tout le monde le sait que tout le monde va se tirer dessus. Tu vois ce que c'est dur ou pas? Vas-y, mets-le, mets. Allez, votre chaka, là. Je le traquais jusqu'au fin fond du continent, mon gars. Il m'a trop mis les nerfs. Je vous jure, il aurait pas dû m'écraser, ce bâtard. Il m'a trop mis les nerfs. Ah putain, décidément, ce truc c'est super long, quoi. Ça coupe toute l'envie d'un coup. Ah, vite, vite. Merde, j'ai tué mon pote. Non, j'ai tué mon pote. Oh le seum. Oh non, le délire. Ah putain, je perds, tu pars tout le croc en plus. Oh le bâtard, il va s'affoler, il va dire ouais, qu'est-ce que tu fais, gros? Oh putain. Oh putain. Oh le délire de malade, ce jeu, c'est un truc de fou. Là, j'ai mon collègue qui doit être en train de m'envoyer un message là. Le poteau là. Il va dire ouais, pourquoi tu fais ça? Voilà. Qu'est-ce que...
Je me suis dit quoi? On va rigoler, il va dire quoi? Quand t'as vu ça? Ah putain! Désolé! Ah putain, je suis vraiment un enfoiré! Je suis vraiment un enfoiré. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter ici. Moi je vais lui dire qu'il me rejoigne quelque part là, dans un endroit sûr. Parce que là j'ai pas trop confiance, j'ai peur qu'il me dessoude maintenant. J'ai quoi comme argent là? Là j'ai que 1000. Genre le mec il pose en banque et tout normal. Alors attendez, on va se mettre là. On va se mettre dans un endroit tranquille. Voilà, on se pose. Bon, écoutez, les oiseaux, c'était une fin plutôt très intéressante. Non, désolé, franchement, mec, si tu regardes la vidéo, je suis sincèrement désolé. J'ai pas voulu, c'était le mec avec toi, là, je sais pas si c'était ton pote ou quoi, il m'a mis trop la haine. Donc, voilà, désolé encore, frère. Moi, je vous dis à bientôt, et je vous dis à la prochaine. Allez, peace, c'était Parano.